Une petite vidéo que je voulais faire depuis un moment parce que j'avais utilisé, attendez que je le prenne, la gelée éclaircissante de Garnier. Voilà, j'ai voulu l'essayer. Alors ça m'a fait 3 fois. Pour moi, ça éclaircit les cheveux. Voilà. Ça le fond, je ne l'ai pas nettoyé. Alors je vais vous montrer, j'ai un avis mitigé sur le. Du coup, je vais détacher les cheveux. Je trouve que ça fait des reflets trop jaunâtres. Mais bon, c'est avec ça, j'avais acheté l'après-shampoing de la même marque à la camomille au miel. Voilà. Pas si on voit parce que j'ai une lumière pourrie. Et j'ai commencé à utiliser le shampoing à la camomille de Garnier. Bon, j'ai pas les cheveux lisses, désolé, c'est pas mon dada. Alors, je ne sais pas comment ça a hier, mais je trouve que ça tourne un peu au jaunâtre. Voilà. Donc, je ne sais pas si je referai. Alors, ça les dessèche. C'est dur à dire. Dessèche un peu. Mais avec le masque, ça les détrate un peu quand même. Voilà, c'est pas le plus grave, mais ça ne tourne pas au blond. C'est plus. Entre les deux, quoi, je dirais. Et moi, je le posais sur cheveux secs. Le soir, et je les ai posés toute la nuit. Voilà. Et j'ai enlevé le matin. Ouais, je n'ai plus mes zones, j'ai plus mes repères comme avant. Voilà, donc je ne sais pas si j'en ai racheté une boîte. J'avais espacé 3-4 jours les deux premières fois. La dernière fois, j'avais espacé bien 2 semaines. Voilà. Ça donne des reflets, mais il faut pas trop en abuser. Voilà. Bon, les racines, je suis châtain. Ça, il y avait déjà des reflets à la base. En bout, comme je suis pas chez le coiffeur depuis des lustres. Voilà. Donc, si vous voulez vraiment du blond, 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 si vous n'êtes pas blonde à la base, ça va être très difficile. Voilà. Donc, ça remplace pas des mèches qu'on fait chez le coiffeur. Voilà, mon opinion. Ça dépanne comme en ce moment, comme je peux pas aller trop chez le coiffeur, mais ça fait un peu. Je pense qu'il faut prendre soin des couleurs, ça a tendance à jaunir, à devenir un peu orange. Voilà, donc j'ai fini ça 3 fois sur cheveux, comme vous voyez, même pas mi-long. Hein, il m'arrive là, ouais, ça 3 fois, ça coûte 10 euros, et après il faut prévoir des soins. Qui vont avec, bon, c'est notre marque, si vous voulez. Là, j'ai pris l'après-shampoing parce que ça réhydrate un peu les pointes. Et le shampoing, là, comme on met, pour donner des reflets, que je vais essayer de préserver au maximum, en espérant pas avoir fait de bêtises. Allez, bisous, à plus, tout le monde dort ici.